Je ne rêve pas comme vous. Je rêve dans le monde réel. Nous ne sommes pas beaucoup capables de le faire et cela nous permet de contrôler ce que vous appelez le paranormal. Je peux vous posséder en vous tuant depuis mon rêve, déplacer des choses sans être présente devant vous, vous faire ressentir ma présence. Oui, Artie, c'est moi. Mais vous l'avez déjà peut-être compris. Matt, tu sais que si on se prend un arbre là, maintenant tout de suite, on y passe. Et après, ben, on sera des fantômes. Oh merde. Quoi? Je crois qu'il y a la police, on devrait peut-être s'arrêter, non? Ok, c'est parti. Ça marche pas quand tu t'avais dormi dans le coffre-fort de la banque. Ah ouais, non mais ça c'est à refaire. Alors voilà ma pote Artie. Artie, voilà ma copine Allison. Salut. J'ai peur et j'ai l'impression que quelque chose va se mettre en travers de notre relation. Comment ça? J'aimerais pouvoir t'expliquer sans avoir de remords après. Ma copine Allison est jalouse de toi. Évidemment, on passe toute notre vie ensemble. Et à force, ça se voit. On en garde des bons souvenirs. Puis ça se voit quand on discute, toi et moi. Et ça, elle n'arrive pas à comprendre d'où viennent ces émotions qu'on partage ensemble. Mais elle ne le saura jamais, c'est impossible. Certes, mais... Mais ? On devrait éviter de se voir le jour. C'est le jour qu'on vit. La nuit, ce ne sont que des rêves. Artie, j'aime Allison et j'ai vraiment pas envie de la perdre. Sérieusement,
Elle n'est pas la seule personne dans ton monde et elle doit bien le savoir. Écoute, je veux plus qu'on se voit le jour. Seulement le jour. Ok. Puisque tu ne veux plus me voir, tu ne me verras plus. Attends! Attends, Artie! Et dire que j'ai tout fait pour qu'on soit heureux. Pour qu'on s'aime. Pour reconstruire ma vie après la mort de Matt. Et toi, tu veux tout détruire d'un coup comme ça? Juste pour Alison? Dégage! Mais non, c'est pas ça! C'est quoi? Moi, je veux vivre avec toi jour et nuit. Je veux pas être là juste pour rigoler. Putain, je suis pas ta pute, Ethan! Mais c'est... C'est quoi? Non. Je pensais qu'il y avait encore quelqu'un dans ma vie. Je pensais que t'étais là, mais non. Je suis toute seule, je me suis trompée. Tu ne vois même pas comment tu me traites. N'avance surtout pas. Si tu avances encore une fois, je te tue. Va vivre avec Alison. Salut. Moi, j'ai rien entendu. Moi non plus, j'ai rien entendu. Si, quelqu'un a sonné. Je vais voir qui c'est. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser le son? Je l'entends jusqu'à chez moi, là-bas. Merde, c'est si fort que ça? Ah ouais. Quelqu'un, on va baisser un peu le son. Bonne soirée. Attends. Ethan, c'est ça? Tu m'as appris à tirer. Ah oui, le stand de tir. Oui, c'est ça. Billy. Ouais. Ravi de te revoir. De même. Tu veux monter? On fait un billard. Ouais, pourquoi pas. Mais quelques minutes seulement, j'ai pas mal. Allez, de boulot. Bien. Il a resté un petit peu avec nous. Je l'avais rencontré au stand de tir. Il habite juste en face. Et vous... Vous vous appelez comment? Thomas. Alison. Enchanté. Moi, c'est Alain. Suis-moi, je te sers un verre. Whisky, s'il te plaît. Ça va, Alison? Je suis fatiguée. Puis j'ai pas trop le moral depuis que je suis arrivée. Je sais pas pourquoi. Puis quand je marchais dans la rue, je me sentais oppressée. Comme si j'étais suivie. Merde. Quoi? Rien, si t'as ressenti ça, c'est que c'était pas anodin. Non, mais c'était juste un sentiment. T'inquiète pas. Je vais aller dormir. Bonne nuit, mon cœur. Ethan, ça va comme tu veux? Je venais me servir à boire et je me demandais ce que tu faisais là tout seul, à l'écart.
whisky? Ouais, un petit. Vraiment merci pour cette belle soirée improvisée. Très con à cette magnifique soirée. Dis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Écoute, je sais que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, ça va peut-être te paraître bizarre ce que je vais te dire, mais vraiment, si t'as besoin de parler de quoi que ce soit, n'hésite pas. Non, t'inquiète pas, c'est rien de grave, c'est juste ma copine qui est pas au top. Tu veux qu'on aille prendre un petit peu l'air, hein? Ouais, pourquoi pas. Il a l'air un peu chelou, Billy, vous trouvez pas? Dans quel sens? Intrusif. Ça va, Allison? Ouais, très bien. Non, il y a un truc qui va pas, dis-moi. Non, ça va, t'inquiète. Reprenez la partie, je vais aller dormir, de toute façon. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps une certaine Artie qui m'a dit qu'elle te connaissait. Tu vois qui c'est? Ouais, c'est une amie. Ah, d'accord. Une amie? Bah, c'est-à-dire? Une amie, je crois que c'est encore une amie. Elle est très gentille. Et elle est super canon, tu trouves pas? Tu la connais d'où si c'est pas indiscret? Oh, elle fait quelques conneries ensemble. Beaucoup de conneries. Ah ouais, quoi comme? Ça, je peux pas te le dire. Allez, raconte-moi, je t'ai dit que tu pouvais me faire confiance. D'ailleurs, d'où est-ce que tu la connais, Artie, toi? Moi? On se croisait tous les matins en allant au boulot, et puis un jour j'ai décidé d'aller... Bonsoir. Bonsoir. Vous savez comment je pourrais aller au parking du cinéma, s'il vous plaît? Alors vous allez jusqu'au bout de la rue, vous suivez la D88 en fait. Juste après vous aurez un rond-point, vous prenez la troisième sortie et le cinéma se trouve 500 mètres plus loin. Le parking il est juste en dessous. Merci. Mais attendez, on se connaît, je crois. Ah oui, Billy, j'avais même pas capté que c'était toi. Salut. Oui, c'est ça. On est là pour la soirée, donc si ça te dit que je monte pour te guider, y a pas de problème. T'inquiète pas, pour le retour, je me débrouillerai, je marcherai à pied. Ça me gêne un peu de te le dire, mais j'ai pas retenu la moitié de ce que tu m'as dit. Ok, laisse tomber, je monte. Ethan, tu veux venir ou tu restes là? On en a pour combien de temps pour rentrer à pied? 10 minutes, grand max. Allez, viens, fais pas ta chouchotte, là. Merci à toi. Passe une bonne soirée. Ethan, toi,
te montrer un truc super marrant sur le parking. Viens, je te montre deux secondes. Viens, viens. D'accord. Voilà. Billy ? Oh, Billy. Oh, ça va ? Oh, Billy, qu'est-ce que tu fous ? Oh ! Monte. Monte ! Viens, viens. Ferme-toi. Tu sais très bien qui je suis. Non. Bah réfléchis bien. On va où ? Tant que tu ne te souviendras pas de moi, je ne répondrai à aucune de questions et je ne m'arrêterai pas. Un indice peut-être ? On ne s'est vu qu'une seule fois. Ah bah ça, j'en doute pas. Bon, je vais te rafraîchir la mémoire. Moi c'est Mel. Enchanté. J'ai entendu parler de toi. T'as vraiment un gros potentiel dans tout ce qui est paranormal. Tu es la seule personne à qui je puisse demander de l'aide actuellement. J'ai un gros problème. T'as une drôle de façon pour demander de l'aide. Bah, j'ai pas eu le choix, je suis désolée. Bien vu ton coup du kidnapping à passe de possession. C'est quoi ton problème ? Mel, l'homme que tu as battu, il m'a menacé de mort aujourd'hui. Pendant que je faisais mes courses, il m'a retrouvé. Et en sortant du magasin, il m'a entraîné dans une ruelle et il m'a menacé. S'il me retrouve cette nuit durant mes rêves, il me tue. Et j'ai quoi à faire dans l'histoire ? Bah tu m'aides. Pourquoi faire ? À le tuer. On s'endort ensemble, on le tue ensemble. Il perd son âme, il perd sa capacité à faire des rêves paranormaux et il pourra plus me faire de mal. J'y arriverai pas toute seule. Je n'ai aucun intérêt à t'aider. Tu me kidnappes, puis tu me manipules. Tu crois vraiment que je vais avoir une confiance aveugle en toi ? C'est pas tout. Il a kidnappé ma petite sœur, Julia. Il la retient en otage dans le cinéma. Si je vais pas la chercher, bah, il la tue. Et puis si j'y vis seule, c'est soit elle, soit moi qui meurs. On va où ? À l'hôtel. C'est le seul endroit sûr où on puisse s'endormir. Pourquoi moi ? Pourquoi tu fais appel à moi pour t'aider par quelqu'un d'autre, hein ? Et c'est quoi ton prénom déjà ? Ariane. Ariane ? Oui, Ariane. Je me sens bizarre là, qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai servi un verre il y a 15 minutes avec ce type là, que j'ai appelé Billy. Tu te souviens ? Espèce de... Désolée, je fais les choses à 100%. Sauf te démerder toute seule. T'as pas intérêt à t'échapper, sinon je te tue.
Ethan. Ethan. Ouais, c'est bon, j'ai compris, j'ai pas le choix. Ethan, c'est par là, tu vas où? Je te hais. C'est la dernière fois que je t'aide. Moi aussi, je te hais. Eh ben, il t'en faut du temps pour te préparer. Tu veux peut-être que je combatte comme un super-héros en ayant l'air d'un naze ? Elle est superbe, ta tenue. Merci, on y va ? Bien sûr. Je n'ai aucune confiance en toi. Quand tu comprendras vraiment ce qu'il se passe, tu changeras d'avis. Crois-moi, Ethan, ça en vaut la peine. Comme je te l'ai déjà dit, on va au cinéma. Mel se trouvera là-bas. Mais je n'ai absolument aucune idée de où précisément. Du coup, on va prendre l'ascenseur du parking souterrain. C'est le seul endroit sûr et discret ouvert toute la nuit. Mel retient Julia au montage, donc il ne doit absolument pas te voir. Moi, je rentre la première en éclaireuse. Et s'il y a le moindre souci, au moindre signal de ma part, tu cours vers moi. Tu gardes une arme et pas moi ? Tu sais te battre, non? Tu sais, face à des guns, j'ai peu de chances de survie. Décevant, mais logique. Ouvre la boîte à gants. Toujours pas confiance? Non. Bien. Donc voilà le plan. On prend l'ascenseur. Tu vas trouver Mel et Julia. Je l'extrais pendant que tu t'enfuis et on descend Mel. C'est tout ? C'est tout. C'est déjà pas mal. Je m'attendais à pire. Ton seul défaut... Comment ça ? Tu joues toujours au plus fort.
Attends. Reviens demain. Quoi? Comment ça? Tu comprendras. J'arrive déjà pas à te comprendre depuis le début de la soirée, ce serait bien que tu m'expliques. T'aurais pu t'enfuir à n'importe quel moment. T'aurais pu me claquer la porte de la voiture dessus et partir. Mais tu vois, c'est ça ton problème, Ethan. Tu joues toujours au super-héros et puis du coup, tu prends les mauvaises décisions. Hmm ? Réfléchis maintenant.
est fermé aujourd'hui, monsieur. Excusez-moi, il s'est passé quelque chose ou... Une alarme a sonné cette nuit, on doit en retrouver la cause. Rien de grave, mais je vous prierai de quitter les lieux, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, quittez les lieux. Merci. Mais grâce à mon plan, tu n'es plus sous l'emprise de cette gare, Ethan. Où est-ce qu'elle est ? Mais il n'y a rien que toi et moi ici. Où est-elle ? Tu devrais être un peu plus reconnaissant quand même. Je suis contente que tu sois là. Je voulais te dire tout ce que j'ai sur le cœur et... Où est-elle ? Tu veux même pas savoir ce qui se passe ? À l'ancien parking. Faire foutre! Ouais, je reviens. Je savais pas que tu fumais. Je savais pas que tu me suivais. Je voulais prendre l'air. Mmh. Il fait bon dehors. Ça va pas ? Je te sens bizarre. Si, tout va bien. J'en suis pas convaincue. Tu veux un médoc ? Pourquoi faire ? Pour être plus calme, pour t'amuser, comme ça on retourne faire la fête plus vite. Non, c'est pas mon truc ça. Artie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Matt, il a pas l'air en forme, tu sais s'il va bien ? Oh, tu sais, il a juste eu une dure journée, mais non, ça va. Ok. Tu peux me servir un verre, s'il te plaît, j'en reverse tout le temps. Ok, pas de soucis. Merci. Matt, est-ce que tu m'entends ? Tu m'entends ? Matt, s'il te plaît, réveille-toi, Matt ! Oh Dieu merci ! Alison ! Je suis où ? On doit partir d'ici, tu as été droguée. Mais tu m'as mêlé à quoi ? Je t'expliquerai tout après, il faut qu'on parte, maintenant ! Je veux savoir. Pour faire simple, une ancienne amie est jalouse de toi et veut ta mort. Elle pense que je fais erreur de vivre avec toi.
avais peut-être raison. Hein ? Tu m'abandonnes à une soirée où je me fais enlever, puis droguer. T'avais peut-être quelque chose de plus intéressant à faire. Je t'expliquerai tout après dans la nature. Il faut vraiment qu'on parte maintenant. Je veux que tu restes en vie. Je t'aime. Moi aussi. Tu te sens te lever, là ? Je sais pas. J'ai jamais eu autant de mal à la tête. Allez, viens. Accroche-toi. On va ni à l'appart ni à l'hôpital. C'est trop dangereux. Ce que je vais t'expliquer maintenant, je ne t'en ai jamais parlé avant pour te protéger. Tu vois les phénomènes paranormaux ? Les sensations de présence ? Les voix que tu entends ? Les objets qui se déplacent bizarrement ? Certaines personnes, dont moi, ont cette capacité à les créer lorsqu'on dort. Et c'est généralement pour ça que les phénomènes paranormaux se déroulent la nuit d'ailleurs. Lorsqu'on rêve, on se retrouve dans une dimension proche de la réalité au lieu de se balader dans notre esprit. Et les actions qu'on y effectue ont un impact sur la réalité même. Et je connais qu'une seule personne capable de faire ça à part moi. C'est ma pote Artie dont je t'ai déjà parlé. C'est de là que je la connais. On faisait beaucoup de conneries ensemble dans les rêves qu'on peut pas faire dans la vraie vie. Mais elle est tombée amoureuse de moi. Tu vas me dire que tu passais toutes tes nuits avec cette salope là, dans des rêves chelous ? Au début, ouais. Je sais, c'est dégueulasse à entendre. Puis on a décidé de se voir dans la vraie vie. Dans la réalité, histoire d'apprendre à se connaître en tant qu'amie. Mais elle a commencé à devenir extrêmement jalouse de toi quand je lui ai interdit qu'on se voie le jour, par respect pour toi. Et depuis, elle a utilisé son pouvoir de possession depuis les rêves pour te tuer. Tu m'as trompé ? Non. Comment je pourrais te croire ? On serait pas ici si je t'aimais pas. Tiens, prends mon téléphone et appelle Doma. Demande-lui si on peut dormir chez lui cette nuit, s'il te plaît. J'ai mon téléphone, tu sais. Ouais, allô, Thomas. On peut venir squatter chez toi ? Je te suis plus, mec. Mais ok. Ok. Donc Artie veut tuer Allison. En la possédant, quand elle dort. Ok. Ben... C'est chaud, là. Ouais. J'espère qu'elle vous a pas suivi, mec. Non, non. J'ai roulé vite et j'ai exprès fait des détours en voiture. Elle risque d'avoir des effets secondaires. Faudrait pas l'emmener à l'hôpital pour que... Non, non, surtout pas. Si je l'emmène à l'hôpital, Artie sera là-bas. C'est certain. Ok. Bon, je m'en vais. Je vous laisse. Super, merci encore Thomas. Salut Allison. Allison, si tu vois la moindre personne dans cet appartement, ou que tu ressens quelque chose d'étrange, tu me le dis tout de suite. Ok ? D'accord. Ce soir, je m'endors tôt. Je reste ici. Et si n'importe qui rentre ici, je m'en charge.
plante la voiture, on meurt tous les deux. Si tu tues Allison, je meurs avec elle. Oh, t'inquiète pas. Je vais pas la rayer, ta voiture, je l'aime bien. Tu vas où? T'es très impatient, hein. T'as beaucoup de défauts, mais je t'aime quand même. Pas sûr que la junkie, elle t'aime autant. Allison, écoute-moi. Souviens-toi. Souviens-toi de ces beaux moments qu'on a passés ensemble. Quand on s'amusait comme des gamins. Quand on s'est fait jeter du resto sous la pluie. Souviens-toi. Dream.